Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une petite vidéo et je vais vous parler donc de Star Wars Légion. Je vous avais dit donc que j'avais commencé à réaliser la peinture des 7 premières figurines des rebelles. Je voulais donc à travers cette vidéo vous présenter ma réalisation. Ces figurines, en fait, j'ai réalisé donc le schéma de peinture et je me suis donc inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Sorastrose et je vais vous mettre le lien en haut à droite de la vidéo. Moi, je vous invite à regarder et à suivre ses vidéos parce que je les trouve très intéressantes. Il explique vraiment pas à pas donc ses méthodes de peinture. Il vous explique les schémas de couleurs qu'il utilise, hein. Il vous présente les pots de peinture qu'il utilise avec les marques, donc c'est très clair. Et j'aime beaucoup son travail, je trouve que c'est quelqu'un qui est très assidu, hein, très précis dans ce qu'il fait. Il fait une peinture de très belle qualité. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie donc, de vous afficher le lien donc, de cette personne. Je vous invite à aller suivre ses vidéos. Donc pour ma part, j'ai pas peur de vous dire que je me suis totalement inspiré de ces tutos. Donc il a un tas de tutos donc pour les peintures, réalisation des peintures des figurines donc de Star Wars Légion, que ce soit les rebelles, que ce soit les Stormtroopers, que ce soit donc des unités donc terrestres ou des unités de soutien. Hein, vous trouverez effectivement pour l'instant au moins tous les échantillons de figurines que l'on peut trouver dans la boîte de base. Et donc, je vous invite, je vous le disais, à vous inspirer éventuellement de son travail, que je trouve très intéressant. Voilà, donc je vous montre très rapidement une première figurine, donc qui est donc une figurine rebelle. Donc, j'ai l'intention de faire comme il l'a présenté dans sa vidéo. C'est donc des figurines, la tenue est inspirée donc de tenues de camouflage. Celle-là, plutôt, on va dire, je ne sais pas comment on pourrait dire, de terrain, de zone plutôt où il y a la végétation, une zone de forêt. Et ensuite, il a une deuxième version, donc pour différencier en fait ces deux groupes de cette figurine, une deuxième version plutôt axée, je dirais, neige, plutôt sur des tons. Bleu, grisâtre, blanc, hein, tenue de camouflage que vous reconnaîtrez, que vous verrez sur toute autre peinture. Fait partie des tenues que l'on retrouve dans l'armée. Différentes tenues en fonction de la situation où on peut se retrouver et du climat. Voilà, donc je vais en rester là. Je vais surtout, donc maintenant, je vais modifier, je vais dépasser ma caméra et je vais me mettre surtout sur une position beaucoup plus rapprochée de mes figurines. Je vais essayer de vous les présenter. Rapidement, ça va pas prendre 2 heures hein, parce qu'il n'y en a que 7. Mais voilà, je voulais vous montrer mon travail. Je vous invite aussi également à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me faire des reproches s'il y en a, à me faire donner des conseils, me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'échanger sur ces figurines. Alors après, pourquoi moi j'ai choisi ce jeu? C'est assez simple finalement. C'est que je joue beaucoup avec des gens qui ne sont pas forcément des grands passionnés de jeu, dans le sens où ce n'est pas des gens qui vont investir donc, dans un jeu de société, quel qu'il soit. Par contre, c'est quand même des gens qui vont aimer jouer. Donc je veux les emmener sur des jeux qui soient quand même relativement simples, qu'on n'ait pas des livres de règles de 200 pages, que ça s'appréhende assez rapidement. C'est pour ça donc, que j'ai trouvé ce jeu assez intéressant, parce que je trouve que les règles se prennent rapidement en main. Voilà, sont peut-être un peu plus aboutis, certes, qu'un Zombicide Black Plague ou des jeux de ce type-là, mais ça reste quand même relativement et ça reste facile d'approche. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Je vous retrouve tout de suite donc pour vous présenter ces figurines. Donc, comme vous le disais, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'ai vraiment envie de faire un échange à propos de ce jeu. Je sais qu'il a l'air beaucoup apprécié ces derniers temps. Et puis, une fois que mes figurines seront peintes, parce que moi j'aime bien jouer avec des figurines peintes, une fois qu'elles seront peintes, donc je m'attarderai sur la réalisation d'une table de jeu, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo.
certainement une table de 90 par 90, parce que ce qui est préconisé pour jouer. Je vous expliquerai peut-être un peu plus en détail, une fois qu'elle sera réalisée, comment je l'ai conçue. Ça me laisse en même temps le temps de peindre toutes ces figurines, de laisser, de regarder un petit peu sur Internet tout ce qui peut se faire, de m'inspirer de certaines idées, d'attendre, parce qu'il y a pas mal de décors qui sortent ces derniers temps. Donc voilà, j'aurai le temps de voir comment je vais réaliser ma table, ce que je peux faire. Ça sera certainement axé, je vous le dis tout de suite, sur une zone de forêt. Tout ce qui tourne autour d'Andorre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette zone de végétation. Donc je pense que je vais axer ma table là-dessus. Alors, rien n'est vraiment figé encore, mais il y a de fortes chances pour que j'aille dans cette direction. Allez, on se retrouve tout de suite donc pour la présentation de mes figurines. Voilà, je vous présente donc ma première unité, donc Rebelle Star Wars Légion. J'ai essayé donc de mettre la caméra vraiment proche pour que vous puissiez voir au mieux les figurines et le rendu de la peinture, la tenue de camouflage. Alors vous m'excuserez, de temps en temps je mettrai peut-être la main devant les figurines parce que lorsque je vais tourner le plateau, de temps en temps il y en a certaines qui vont être floues. Donc en fait ça c'est donc le commandant d'unité en premier. Et je vais faire tourner les figurines une par une, de manière à ce que vous puissiez voir les différentes figurines. Bon, excusez-moi pour la main, comme je vous disais, mais c'est pour que ce soit net. Voilà, donc une autre unité. Au niveau des socles, ben, j'ai joué sur pas mal de verdure, buissons, herbes hautes, avec différents contrastes sur les couleurs des herbes, pour que ce soit encore plus sympathique. Donc ça c'est une unité donc on pourrait dire extraterrestre. Voilà. Donc l'ensemble des figurines ont des tenues de camouflage. Certaines ont au niveau de leur veste une tenue plutôt unie dans les teintes brun. Voilà. Je fais tourner la suivante. Donc on a vraiment essayé de travailler beaucoup sur les contrastes, jouer sur les visages, sur les différents coloris pour éclaircir toutes les zones. Donc le résultat, moi j'en suis vraiment très 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 content. Donc là on a une sorte de grosse mitrailleuse. Je trouve des figurines très belles, très détaillées. J'ai pas encore peint les Stormtroopers. Par contre, j'avais certaines entendu dire certaines personnes sur des vidéos que j'ai pu regarder qui préféraient en fait les postures des figurines des rebelles par rapport à celles des Stormtroopers. Donc je verrai ensuite, après les avoir peintes, si effectivement j'ai aussi ce sentiment-là. En tout cas, pour ce qui est des rebelles, les figurines sont vraiment super. Elles sont détaillées, les postures sont vraiment sympas. Bon, je trouve vraiment que j'ai un joli travail donc des gens qui ont sculpté ces figurines. Voilà la dernière. Voilà. On retrouve donc des visages très différents, des gens avec des moustaches sans, des gens plus jeunes, plus âgés. Donc c'est vraiment, oui, comme je vous disais, de très belles figurines. Je vais couper 2 secondes et puis je vais essayer de vous les montrer de dos pour terminer. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous montre donc le dos des figurines. Donc certains donc, ont des sacs à dos plutôt classiques, comme cette figurine, le commandant. Avec une tunique un peu longue. Je vais tourner. Voilà. Beaucoup d'entre elles ont ce type de sac. À nouveau, la suivante. Voilà.
D'ailleurs, la tenue de camouflage, je la trouve vraiment très réussie. Je trouve que la technique, vous la verrez hein, sur ces vidéos, mais je trouve sa technique qui est très intéressante. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui en a une idée, mais en fait, avant de mettre les différentes teintes, puisque on va dire que la tenue de camouflage est composée de trois couleurs différentes, il va tout simplement en fait passer une légère couche d'eau, tout simplement, sur la partie qu'il souhaite peindre. Donc tout simplement en prenant un pinceau, en trempant dans de l'eau et en le passant sous sa figurine, comme si on la peignait. Et ensuite il va venir donc poser, on va venir poser donc les différentes teintes. De là, la peinture va être très diluée et on va venir poser ça sur la surface de la figurine. Comme elle est mouillée, ça va s'éparpiller et ça donne un effet finalement assez naturel. Et voilà, comme vous pouvez le voir, le rendu est vraiment sympa. Voilà. Celui avec la mitrailleuse lourde. L'avant-dernière figurine. Et la dernière. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous retrouve très bientôt donc pour de prochaines vidéos, notamment donc sur le jeu Star Wars Légion. Dès que j'aurai peint de nouvelles figurines, je referai une petite vidéo pour vous les présenter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, laissez-moi vos commentaires, hein, j'insiste, c'est très important. J'ai vraiment envie d'échanger sur ce jeu, sur la peinture, sur le jeu en lui-même. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je pense qu'il y aura plus à débattre aussi quand j'aurai réalisé une table de jeu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!